Vous aimez la nature et vous aimez vous balader en observant toutes les choses magnifiques qu'elle a à vous montrer. Mais avez-vous déjà essayé de la regarder de plus près? Beaucoup plus près. Je vous propose une balade bucolique et romantique. Suivez-moi dans le monde de l'incroyablement petit. Les scarabées sont de la famille des coléoptères à antennes. Certains peuvent soulever plus de 1000 fois leur propre poids, ce qui en fait l'animal le plus fort du monde. Les abeilles, connues depuis l'Antiquité en Égypte, est le plus vieil ami de l'homme. Cela fait donc plus de 5000 ans que l'on cultive le miel, mais également la cire et la gelée royale. L'abeille est également indispensable pour la pollinisation des plantes. L'escargot est un gastéropode de la famille des mollusques. Il est hermaphrodite, ce qui veut dire qu'il est mâle et femelle. Saviez-vous que la bave d'escargot est utilisée dans l'industrie cosmétique pour ses effets antioxydants? La coccinelle, de la famille des coléoptères, est l'alliée du potager car elle se nourrit de pucerons. Certains chercheurs tentent d'ailleurs de trouver un insecticide naturel grâce à elle. Et contrairement aux idées reçues, le nombre de taches sur son dos n'indique pas son âge.
La punaise comprend 90 familles, regroupant plus de 42 000 espèces. Le gendarme, appelé également diable ou cherche-midi, est bien une punaise rouge. C'est la punaise la plus répandue d'Europe. Jadis, petite chenille, puis chrysalide, le papillon arbore des couleurs magnifiques. Les taches rondes sur ses ailes ressemblent à des yeux pour faire peur aux prédateurs. Le papillon est comme l'abeille, un animal pollinisateur. Les sauterelles, à ne pas confondre avec les criquets, qui eux sont nuisibles pour l'agriculture. Les sauterelles sont inoffensives et ont un des meilleurs camouflages au monde. J'espère que vous aurez passé un bon moment en visionnant ces quelques images et merci pour votre soutien.